Ce système qui ressemble à une grande tasse, sert à lancer une ligne pilote pour câbles et cordes lors des opérations de sauvetage. Le modèle représenté ici a un câble de 4 mm de diamètre à lancer sur 300 mètres. Ils ont un terme spécifique pour ça, un lanceur de ligne. Une fumée est produite et suit le câble pour indiquer la précision nécessaire pour atteindre la cible à sauver. Son standard est international, pour cet outil facile à manier par une seule personne. Quand les enthousiastes des randonnées se perdent dans la nature, un outil formidable attaché à l'hélicoptère pour équipe de sauvetage. Sereco, l'outil très important. Il scanne un grand rayon d'un kilomètre carré à moins de 6 minutes. Il détectait des réflecteurs de plus de 200 sortes de tissus de différentes usines. Et là maintenant, vient le Justemo Finder avec une importance similaire qui utilise un Justemo de radar. Cela pour détecter les corps humains encastrés sous les décombres des bâtiments. Son rayon d'action se prolonge jusqu'à 6 mètres de profondeur. Cet outil est l'issue des grandes équipes d'experts de bonne renommée. Les équipes de sauvetage du tremblement de terre au Népal en avaient bénéficié. Un nombre d'environ 300 millions d'étudiants au monde sont exposés aux tremblements de terre journalièrement. D'où l'idée géniale de conception de tables solides résistant au poids de plus de 500 kg de choc. La bataille contre le feu de brousse fait désormais face à ces géants extincteurs de feu très puissants. Cette pompe a une capacité de 372 litres par minute, et de loin beaucoup plus léger pour le transport au dos. Voilà une catastrophe. Que faire? Les sorties sont toutes bouchées en cas d'incendie, tremblement de terre ou fuite de gaz. Votre solution Slide to Safety a été créée pour un sauvetage de masse dans cette circonstance. En 30 secondes de déploiement, 30 personnes par minute sont évacuées en toute vitesse optimale. Étalée jusqu'en hauteur du quatrième niveau, Slide to Safety s'attache à travers n'importe quelle fenêtre. La survie dans la neige a trouvé une autre solution moderne. SafeBack SBX a les éléments de support comme l'oxygène, un bon chauffage pour soutenir une température de moins 30 degrés. Il ne pèse que 523 grammes. Malgré les multiples moyens de secours, les handicapés sur chaise roulante ou cloués au lit étaient les oubliés de tous. Enfin, en voilà un le plus approprié pour eux, Escape Rescue. Il est fonctionnel en cas de coupure d'électricité et de fumée épaisse. Sa préparation se fait seulement en 4 minutes. Et aussi les équipes de secours d'urgence en profitent pour escalader les niveaux en étage très haut.
Les avalanches soudaines de rocs venant des montagnes en cas de catastrophe ont maintenant une barrière appropriée. Geobrug est une solution pour empêcher le danger de destruction massive dans ce cas. Révolutionnaire qui peut se déployer sur 30 mètres carrés pour secourir une douzaine de naufragés. Cependant, en compétition se tient le Zodiac ESS se déployer au double plus rapidement pour secourir 100 personnes. Voici un compétiteur de taille pour les sacs de sable en cas d'inondation. Très facile à déployer, une petite équipe de 4 personnes le déploie sur une longue distance en peu de minutes. Formidable! Il n'a pas besoin de pompe ni d'électricité pour fonctionner. Ferra n'est pas aussi enthousiaste dans l'utilisation des sacs de sable. Il a une spécialité dans la protection contre les inondations avec du matériel Ledger.